Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, j'ai utilisé le même jeu que la semaine dernière. Je vous montre le dos qui est très beau. Donc, c'est le White Rabbit Oracle. Alors, la première carte que j'ai tirée, elle est pour lundi-mardi. Et c'est la carte de l'aventure. Alors, sur cette carte, on voit Alice et on voit le lapin blanc et on voit que Alice est en train de choisir de suivre le lapin blanc. Alors, il y a deux significations dans cette carte-là. Il y a celle de partir à l'aventure dans le sens très pratique du terme, c'est-à-dire faire quelque chose d'un peu fou, faire quelque chose de se lancer dans une aventure un peu folle. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit... voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter lundi, mardi. Donc voilà, ça c'est la première signification. Ou alors, ça peut être dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire suivre le lapin blanc pour aller travailler les profondeurs et aller voir ce qu'on a à l'intérieur et ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait aussi parfois souffrir. Et qui nous fait aussi réagir d'une façon qui nous étonne. Donc voilà, soit ça va être partir à l'aventure au niveau pratique sur quelque chose de nouveau, soit ça va être d'aller un peu plonger dans les profondeurs et d'aller voir comment est-ce qu'on fonctionne au niveau psychologique. Voilà. Donc ça, c'est la carte pour lundi-mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une très très belle carte. C'est une carte de liberté. Alors la liberté, souvent on pense que la liberté, elle est conditionnée uniquement par l'extérieur. En fait, une grande partie de la liberté, du sentiment de liberté, est conditionnée par l'intérieur. Comment est-ce qu'on perçoit ce qui nous arrive de l'extérieur ? Voilà, on a une liberté qui... On n'a pas cette liberté infinie, puisqu'on a un corps, on ne peut pas voler, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais on a, en fait, au niveau de l'esprit, une capacité à prendre les choses et à profiter des choses en ayant ce sentiment de liberté. Donc, pour mercredi, jeudi, vendredi, allez chercher cet espace de liberté que vous avez en vous. Laissez-vous, alors comme on l'a juste après la carte de l'aventure, c'est super intéressant parce que à partir du moment où on s'est lancé dans quelque chose, on peut avoir ce sentiment de liberté parce qu'on a osé. Même chose si on a travaillé quelque chose au niveau psychologique et puis qu'on s'est aperçu qu'on avait des freins en fait qui sont internes, eh bien c'est intéressant de lâcher ces freins internes et on retrouve un sentiment, on retrouve alors un sentiment de liberté. Donc, dans la continuité de la première carte, laissez-vous porter par ce vent de liberté comme la personne que l'on voit ici. On voit qu'elle se laisse porter par le vent de liberté. Et voilà. Donc, belle carte pour mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le week-end, après avoir eu cette semaine un peu de folie, on a la carte de la balance. Alors la balance, c'est la carte de l'équilibre. On voit une personne qui est en train de... qui a comme un peu une africaine, qui a des choses sur la tête. Elle doit rester droite pour ne pas casser ses tasses. C'est vraiment l'idée de revenir à son centre, hein, parce que pour justement tenir l'équilibre, on est obligé d'être droit, d'être centré. Donc pour le week-end, rester centré, rester droit, rester en accord avec vous-même et chercher donc cet équilibre, ne partez plus dans les excès. Ça c'était plutôt pendant la semaine, là, il s'agit de retrouver un équilibre. Hein, on a vraiment ce mouvement, un mouvement de lâcher prise, de laisser aller, de liberté, pour après recentrer. Et donc en fait ces moments d'équilibre, ce sont des moments où on va intégrer en fait tout ce qu'on a acquis, en fait tout ce qu'on a appris dans les moments où on lâchait prise et où on partait un peu comme le fou dans le tarot. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.